السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حصة اليوم سوف نقوم بإنجاز صفحة 17 من سيترونيل سي ام 1 ليفري d'activité. L'accord du verbe avec son sujet. L'accord du verbe avec son sujet. Savoir accorder le verbe avec son sujet. أولا يجب أن نفهم l'accord du verbe avec son sujet. L'accord sujet-verbe. On dit que le verbe s'accorde avec son sujet, c'est-à-dire que la forme du verbe change quand le sujet change. Si le sujet est au singulier, le verbe est aussi au singulier. Si le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel aussi. لما يكون السوجي الفاعل في المفرد الفاعل كذلك يكون في المفرد وعندما يكون في الجمع يكون الفاعل كذلك في الجمع. Exemple. Thomas va à l'école. Thomas et Sonia vont à l'école. Ici, le sujet est singulier, alors le verbe va au singulier. Thomas et Sonia, pluriel, le verbe au pluriel. Parfois, le changement de verbe ne s'entend pas, mais il se voit. Exemple, la fille danse. Les filles dansent. La fille danse, singulier, féminin. Les filles dansent, le verbe au féminin, pluriel. في المثال الأول الفاعل تغير صوت وصورة va من ناحية صوت vont تغير ومن ناحية صورة va va ومن ناحية va vont vont في الحالة الثانية la fille danse et les filles dansent من ناحية صورة تغير danse avec e et danse avec ent ولكن من ناحية صوت نفس الصوت danse danse. L'accord du verbe avec son sujet. Le verbe s'accorde avec le sujet, sa terminaison change. Deuxièmement, si le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. Les enfants mangent, les enfants pluriels mangent au pluriel. Ces arbres semblent malades. Ces arbres pluriels et le verbe au pluriel semble. Troisièmement, s'il y a plusieurs sujets, le verbe est au pluriel. Tom et Magal mangent un gâteau. Mangent au pluriel. Numéro 4, si plusieurs verbes ont le même sujet, chaque verbe s'accorde avec le sujet. Si plusieurs verbes ont le même sujet, chaque verbe s'accorde avec le sujet. Tom grimpe, saute et court. Tom grimpe, saute et court. Un sujet, c'est Tom et plusieurs verbes grimpent. Saute et court. Grimper, sauter et courir. Trois verbes. 5. Si le sujet est au singulier, le verbe est au singulier. Pierre mange un gâteau. Un autre exemple, l'arbre semble malade. Pierre, singulier, mange au singulier. L'arbre singulier semble au singulier. Semaine 1. 1. Souligne le ou les sujets et encadre le verbe. Souligne le ou les sujets et encadre le verbe. L'Amazonie s'étend sur 9 pays. L'Amazonie s'étend sur 9 pays. Le sujet, c'est l'Amazonie. Souligne l'Amazonie et encadre s'étend. S'étend, c'est le verbe. Beaucoup de tribus habitent en Amazonie. Beaucoup de tribus habitent en Amazonie. Beaucoup de tribus, c'est le sujet. Habite, c'est le verbe. Encadrer le verbe. Le sujet, c'est beaucoup de tribus. C'est le verbe, c'est habite. Encadrer le verbe et souligner le sujet. L'acérola, l'afandra et le fécus sont des arbres d'Amazonie. L'acérola, l'afandra et le fécus, les sujets sont, c'est le verbe, encadrer le verbe, sont des arbres d'Amazonie. Est-ce que tu es allé au Brésil? Est-ce que tu es allé au Brésil? Tu, c'est le sujet. Et aller, c'est le verbe. Es-tu allé au Brésil? Es-tu allé au Brésil? Et c'est le verbe. Aller le verbe et le sujet c'est tu. 2. Relie les sujets au bon verbe conjugué. Relie les sujets au bon verbe conjugué. Je visite. Tu y a. Il, elle visite. Nous allons. Vous faites. Ils, elles vivent. Numéro 3, complète les phrases avec les verbes suivantes. Complète les phrases avec les verbes suivantes. A et avons assisté, sommes allés, sont étonnés. Manaus est la plus grande ville de l'Amazonie.
Manaus est la plus grande ville de l'Amazonie. Les touristes sont étonnés de découvrir une aussi grande ville au cœur de la jungle. Les touristes sont étonnés de découvrir une aussi grande ville au cœur de la jungle. Ma sœur et moi, nous sommes allés à Manaus. Ma sœur et moi, nous sommes allés à Manaus. Nous avons assisté à un concert de musique classique dans un vrai théâtre. Nous avons assisté à un grand concert de musique classique dans un vrai théâtre. Incroyable mais vrai, Manaus a un théâtre appelé Amazona. Incroyable mais vrai, Manaus a un théâtre appelé Amazona.